Petit maman, mettons-nous debout. Nous debout. Somane no la Mungu. Dion Dio. La lecture de la parole de Dieu. Na. Tutakwenda kwenye wa Roma nane. Nous irons vers Romains 8. Makumimbili na nane. 28e verset. Baka makumitatu. Jusqu'au 33e verset. Amina. Kitabu cha Warumi sura yake ya 8 ishairi yake ya 28 hadi 30. Na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu. Kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani aliwaweka tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake. Kati ya ndugu wengi. Na wale aliowaweka tangu zamani akawaita vile vile. Na wale ambao aliwaita akawahesabia haki. Na wale ambao aliwahesabia haki akawatukuza vile vile. Amen. Tutasoma kifaransa tukishaka. Sawa. Seigneur Jésus Christ, bénis ta parole. Bénis ton peuple. Vraiment. Bénis tous ceux-là qui recevront cette parole. Alléluia. Et plus de bénédictions encore à ceux-là qui s'efforceront pour y arriver. Amen, amen, amen. Et pour vivre ça. C'est le degré le plus haut du christianisme. C'est comme qui dirait l'université de la croyance. Amen, amen. Car au-delà de ces sujets d'aujourd'hui, il n'y a aucun autre niveau que l'homme puisse atteindre dans le spirituel plus que ça. Je demande que tu nous la fasses comprendre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. D'accord. Tunasema Mungu abariki. Disons que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à tout le monde. Karibu kwa wote. Nous disons que le Seigneur soit avec vous. Twasema Mungu awe pamoja nanyi. Pour le sujet de ce matin. Kwa ajili ya somo ya asubuhi. Curieusement, c'est un sujet qui est difficile. Sidhani kwamba ni somo lilo ngumu. Difficile à expliquer. Ngumu kwa kufasiria. Mais aussi difficile à atteindre. Pia ngumu kwa kulifikia. Je vous fais pas peur. Siwaogopeshi. Mais c'est ça la vérité. Bali ndio kweli. Moi-même je fais tout. Mwenyewe nafanya yote. Pour arriver à ce niveau. Ili nifikie kiwango hicho. Parce que sababu c'est ça le dernier niveau de vie du chrétien. Maana ndicho kiwango cha mwisho ya maisha ya ukristiano. Ce sujet d'aujourd'hui. Somo la leo. Au-delà de ça. Zaidi yake, il n'y a pas un autre niveau de chrétien tel que prévu par la Bible. Hakuna kiwango kingine cha ukristiano sawa vile imeandaliwa na Biblia. Vous comprendrez avec le temps. Pamoja na muda mtaenda mkielewa. Qu'est-ce que cela veut dire? Ina maana gani? Donc, maana yake, vous recevez le Saint-Esprit. Unapokea Roho Mtakatifu. Et puis le Saint-Esprit grandit dans vous. Kisha Roho Mtakatifu anaenda kikomaa ndani yako. Jusqu'au niveau final. Hadi kiwango cha mwisho. Au-delà de ça. Zaidi ya pale. Il n'y a pas un autre niveau. Hakuna kiwango kingine. Amen. Amina. En d'autres termes. Kwa maneno mengine. Celui qui a le Saint-Esprit peut être un petit. Mwenye kuwa na Roho Mtakatifu aweza kuwa mtoto. Dans le spirituel. Katika kiroho. On le voit comme un petit. Anaonekana sawa mtoto. Mais. Lakini, avec le temps, pamoja na muda, plus le Saint-Esprit grandit, kadiri Roho Mtakatifu anakoma, il finit par être grand, anafikia kuwa mtu mzima, différent de celui qu'il était quand il avait reçu le Saint-Esprit. Tofauti na yule aliyekuwa wakati alipopokea Roho Mtakatifu. C'est quel niveau? Ni kiwango gani? Je vais tracer un peu au tableau. Nitajaribu kuchapa ubaoni. Ici, hapa,
Je ferai ça. Nitafanya hivi. Pour avancer. Kwa kuendelea. Vous êtes baptisé. Hapa unabatizwa. C'est la ligne ici. Ni huu mustari. Après votre baptême, unapokwisha batizwa, vous avez encore des faiblesses. Unakuwa na madhaifu mengine. Mais si vous êtes bien repenti, lakini ikiwa ulitubu vizuri, vous êtes justifié. Unahesabiwa haki. Jusque là, hadi hapo, vous êtes très loin, très loin, très loin. Ngali mbali mbali sana. Après, kisha, vous passez par la deuxième étape. Unapitia kwa hatua ya pili. Sanctification. Yani utakaso. Vous vous battez avec les péchés internes. Unapigana na zambi za ndani. Mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Bali hadi hapo hujapata Roho Mtakatifu. Les péchés internes. Zambi za ndani. Les pensées. Mawazo. Sont vaincus pas par le Saint-Esprit. Hazishindwi na Roho Mtakatifu. Sanctification. Ni utakaso. Même celui qui n'a pas le Saint-Esprit peut vaincre les mauvaises pensées. Hata mwenye hana Roho Mtakatifu anaweza shinda mawazo machafu. Après, kisha, vous êtes sanctifié, unatakaswa, pour que Dieu vous aide, ili Mungu akusaidie. Vous recevez le baptême du feu. Unapata ubatizo wa moto. Le baptême du feu c'est quoi? Ubatizo wa moto ni nini? C'est la puissance de Dieu ni nguvu za Mungu qui descend dans les croyants. Zinazoshuka ndani ya muamini. Ça brille des choses que lui-même ne savait pas que ça existe dans lui. Zinaunguza vitu ambavyo mwenyewe alikuwa hajui kwamba viko. Nous marchons avec des choses que nous ne savons pas que ça se trouve dans nous. Tunatembeaka na vitu ambavyo hatujui ya kwamba vimo ndani yetu. Parce que nous les avons reçus des parents. Sababu tuliviriti kwa wazazi. Et ça se manifestera peut-être trop tard. Na vitaenda vikizirika pamoja na wakati. Mais le baptême de feu vient brûler ça. Sasa kazi ya ubatizo wa moto ni kuja kuviunguza. Ça brûle. Inaunguza. Après, kisha, que vous ayez eu le baptême du feu, unapokwisha pata ubatizo wa moto, jusqu'à ce niveau, kwa hatua hiyo, vous êtes encore très loin. Ungaliki mbali. L'étape qui suit, hatua inayofuata, ça vient, inakuja, Dieu injecte sa capacité qu'on appelle la nouvelle naissance. Mungu anapenyeza ndani yako uwezo wako ule unaoitwa kuzaliwa mara ya pili. Vous naissez de nouveau. Unazaliwa upya. Quand on dit la nouvelle naissance, wasemapo kuzaliwa mara ya pili, la reception du Saint-Esprit, ni kupokea Roho Mtakatifu. Des fois on vous dit, mara wanakwambia, vous naissez de nouveau, unazaliwa upya. La vie du Saint-Esprit vient après. Na uzima wa Roho Mtakatifu huja baadaye. Ça dépend d'un individu à l'autre. Yatokana na mtu na mwingine. Maintenant après, kisha badai, vous avez la nouvelle naissance. Unapokuwa na kuzaliwa mara ya pili. Commencez avec la stature de l'homme de feu. De l'homme parfait. Unaanza sasa na kimo cha mtu mkamilifu. Vous avez la foi. Unakuwa na imani. Vous avez la vertu. Unakuwa na wema. Vous avez la connaissance. Unakuwa na maarifa. Vous avez ce que vous appelez la tempérance. Unakuwa na kiasi yani kujizuiza. Vous avez la patience. Unakuwa na uvumilivu hapa. Vous avez la piété. Unaongezako utawa. Vous avez l'amour fraternel. Unakuwa na upendo wa ndugu hapa. C'est à ce niveau. Ni kwa kiwango hiki. Que le Saint-Esprit peut entrer. Roho Mtakatifu anaweza kaingie. Pour cimenter ce triangle. Ili abananishe triangulo hii. Ni université ya kiroho. C'est l'université spirituelle. Et quand je vous dis que c'est le niveau le plus haut, na niwaambia hapo ya kwamba ticho kiwango cha juu. Je suis pas en train de plaisanter. Sifanye utani. C'est ça l'obligation pour être enlevé.
Nandilo shurti kwa kufikia kunyakuliwa. C'est ça l'obligation pour aller au ciel. Ndio shurti ya kwenda kambinguni. Musikuye ikala hapa seme mulishaka batizwa vinatosha. Muko na kazi ya kufanya. Kazi iko mingi. Musiwaze juu mulisha batizwa seme nilisha kuwa sele wa mwele bete. Haitoshi. Non, non. Na kazi kubwa ya kufanya juu yenu. Amina, amina. Ne venez pas vous asseoir parce que vous avez été baptisé croyant que vous avez fini. Vous avez encore un grand travail à faire. Amen. Na kama Mungu awasaidie kuelewa mtakuwa watu wa kanisani lakini hamtakamilikaka maana hamuyo vya kufanya. Et si je ne vous aide pas à comprendre, vous serez les gens de l'église et vous n'allez pas être perfectionnés. Parce que vous avez encore à faire. Amen. Amen. Okay.